Salut YouTube, c'est François. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attaquer à tout ce qui est chargeur d'iPhone. Pour ce faire, j'ai utilisé mon iPhone X avec les trois chargeurs d'Apple, à savoir le chargeur d'origine, le chargeur d'un iPad et le chargeur rapide de chez Apple. Avant toute chose, je vous invite à liker la vidéo à la fin si elle vous a plu et surtout à vous abonner, ça motive toujours à faire d'autres vidéos. Alors je tiens à préciser que ces charges se sont faites de 0 à 100% à chaque fois. Allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite donc avec une recharge, la recharge fournie avec l'iPhone. Alors c'est un chargeur 5 watts et j'ai mis 3 h 01 minute pour faire une charge totale avec. Ensuite, le chargeur d'iPad 12 watts, j'ai mis 2 h 17 minutes pour charger mon iPhone entièrement. Pour terminer, le chargeur rapide d'Apple. Vendu pour la modique somme de 59 euros, à ça vous rajouterez un câble à 25 euros, le câble USB-C vers Lightning. Ce chargeur, c'est un chargeur 29 watts. Il a chargé mon iPhone entièrement en 2 h 07 minutes. Alors en conclusion, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on gagne environ 3 quarts d'heure avec le chargeur d'iPad et quasiment 1 heure avec le chargeur USB-C. Donc en fait, pas grande différence entre le chargeur d'iPad et le chargeur USB-C. On a quand même au final un gros gain de chargement. Et personnellement, je trouve ça honteux de la part d'Apple de vendre un téléphone aux alentours des 1300 euros sans avoir la charge rapide incluse dedans. Sachant que les concurrents directs comme Samsung le font d'origine. Bah, j'espère que cette vidéo aura pu vous servir, vous aider. N'hésitez pas donc à faire des retours là-dessus. Je vous dis à bientôt!